voilà la Laos. Donc on enlève un petit bout, c'est pour montrer qu'est-ce qui se passe. Donc ça se coupe avec un couteau, on enlève la peau du dessus. Je sais pas si je vais pouvoir le montrer, mais voilà, j'enlève la peau du dessus comme ça. C'est assez gluant, hein. Ça me fait penser au blanc d'œuf, hein. Voire super gluant. C'est transparent, gélatineux, ça n'a pas spécialement du goût. Donc ça, à quoi ça sert? Ben, on le met sur des brûlures, des coups, une entorse. Là, j'ai sur des lèvres, tu peux le mettre sur des lèvres. Tu peux en manger, ça se mange. Il y en a qui font donc, des dentifrices avec, des produits de beauté, enfin, tout ce qu'on veut. Moi, je trouve ça super intéressant. Ben, je me suis fait une entorse, je me suis fait un cataplasme avec ça. Donc j'en ai découpé 3-4, j'ai entouré toute ma cheville, je l'ai bien bandé. En fait, c'est froid toute l'année, hein. Ça garde le froid. De toute façon, moi j'ai pas de frigidaire, donc même l'été c'est froid. Et donc, bah, une entorse du froid, c'est super génial. En plus, c'est assez épais. Et j'ai bien mangé du coup. C'est assez épais, et donc ça garde, c'est tout le temps frais, quoi. Voilà, c'est super bon. Donc en cataplasme sur les coups, donc si tu as un coup sur ton doigt et que tu n'as pas envie de faire un cataplasme, là, tu t'en mets plusieurs fois dans la journée, tu laisses la plante comme ça sur ta table et tu te reprends un bout de temps en temps quand tu en as besoin. Voilà, la plante médicinale. Merci.